A woman that inspires me is my mom. She's taught me to always be constantly learning and never be satisfied with status quo. She came to Canada as an immigrant and for the past 30 years has constantly been reinventing herself and learning more every day. And she's instilled that value in me that to constantly be learning and the value of hard work. And that's what I would like to pass on to my own kids. Au risque de ne pas être cliché, en fait, je voulais... Moi, c'est ma conjointe, tout simplement. Donc, Cynthia, je partage ma vie avec elle depuis près de 10 ans. Puis, elle m'inspire beaucoup parce que c'est quelqu'un... C'est une femme engagée, professionnelle, qui est très occupée, sinon plus occupée que moi, qui est impliquée autant que moi, sinon plus, au niveau de la famille, dans son travail, dans des OBNL. Donc, par sa passion, la détermination puis l'énergie qu'elle apporte dans ma vie, elle m'inspire beaucoup. There are always people in our life that can be heroes in so many ways, an inspiration and a model to be followed. Myself, I don't find inspiration in one person alone. For me, inspiration is in all the women around me, from my best friends to my work colleagues, from women I read about it to women I cross my way in my life. All of them are inspiring me with their uniqueness, with their courage to be who they are. A woman that inspires me is my wife. She always finds the bright side of every single situation that we have been challenged with. And she always finds a positive side of every people that we have met. The woman who has inspired me the most would be my mom. And the reason is because she has been supporting me all these years. And then she has been really, really supporting. And then whenever I need her and wherever I need her, she will be there. And I really appreciate all the effort she has made. And then to be honest, I wouldn't be able to make it to where I am today without all the years of support from her. And I'm just, yeah, I would like to say thank you. J'ai pensé à plusieurs femmes. J'ai pensé à Simone de Beauvoir, j'ai pensé à Julie Payette. Mais après ça, quand que j'essayais de voir qu'est-ce qui m'inspirait moi comme personne, je me suis arrêtée à Nathalie Provost. Nathalie Provost, c'est un ingénieur maintenant. C'était une étudiante à Polytechnique pendant la tragédie de Polytechnique. C'est une des survivantes. Puis je pense que ce qui était le plus inspirant chez elle, c'est que malgré le fait qu'elle a été une des victimes contre la femme, elle n'a jamais agi en victime. C'est ça qui m'inspire beaucoup chez elle, c'est le genre de femme qui ose, le genre de femme qui dérange. Puis je pense que c'est ça qui est le plus inspirant. C'est de se dire, bien, notre capacité, notre force, c'est être capable de se relever, puis être capable d'accomplir des grandes choses.